Et nous voilà de retour en Polynésie, on est à Tahaa. Alors là je suis dans un champ de vanille parce que Adi et Nanihi m'ont proposé de la marier. Donc ça c'est le pistil. Voilà. Et tu vas trouver le pollen que tu vas prélever avec le bâtonnet pour le mettre juste en dessous, dans le stigmate de la fleur, la partie femelle. Je referme le petit clapet. Que si on fait pas ça, bah on va pas avoir de gousse de vanille. La nature, elle fait pas naturellement les choses? Elle le fait naturellement au Mexique. Et en Honduras, en Amérique centrale, là d'où la vanille est originaire. Défi de polliniser une fleur de vanille réalisée, elle deviendra une gousse, Inch'Allah. Tous les matins, on peut avoir nos baguettes fraîches à domicile. Ah vraiment, ils posent des baguettes? C'est hallucinant ça. Suisse-moi. Voilà, on les laisse 15 jours comme ça au soleil. Puis là, on n'a pas rajouté d'eau, hein. C'est juste le jus du noni qui s'est formé. Hein. Et petite particularité, ça a un goût de fromage. Voilà. Alors, jus de nono, un défi proposé par Noé. C'est pas, ça n'a pas l'air très bon. En plus, c'est chaud, ça arrache. Ah, c'est pas bon, un petit goût d'acidité, un petit goût de fromage. Mais paraît-il, c'est bon pour la santé. Défi proposé par Chantal, c'est aller travailler dans une ferme perlière. Alors Jérémy nous a proposé de faire du jet ski, il est là, on va partir. Proposition d'Alaïda, aller voir le jardin de corail. Suisse-moi! C'est la fin de la vidéo ici à Tahaa. Prochaine aventure Raiatea ici. Donc commentez déjà cette vidéo en nous disant ce que vous en avez pensé et proposez-nous le contenu de nos prochaines aventures. Merci à toi et à bientôt.